Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, nous voulons partager ensemble la parole du Seigneur et c'est encore une grâce pour nous de pouvoir le faire ensemble, de pouvoir nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Ce soir, j'aimerais vous parler du plan de Dieu. C'est un plan qui est glorieux, c'est un plan qui est déjà établi d'avance et nous allons lire un texte ensemble si vous voulez bien sans plus tarder. C'est dans Romains au chapitre 8 à partir du verset 28. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. En tout cas, je salue aussi pour ceux ou celles qui nous rejoignent pour les premières fois, et ainsi que nos frères et sœurs. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse ce soir. Ce texte nous dit, donc Romains chapitre 8 verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que ce texte nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À qui est adressé ce verset? À qui est adressé ce beau message qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ce que j'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder une chose, c'est que dans la définition grecque, il nous est écrit à ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Alors à ce moment-là, ce message vous est adressé. Si vous acceptez Jésus ce soir dans votre vie, peut-être que vous entendez pour la première fois, vous pouvez demander au Seigneur de venir dans votre vie. Eh bien, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ce message vous est adressé, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il nous est dit dans ce texte, car ceux qu'il a connus d'avance, en fait, il nous connaissait bien avant que nous-mêmes nous décidions de donner notre cœur au Seigneur Jésus. Il nous a prédestinés, il nous est dit, à l'image de son Fils, qui fut le premier-né, Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que Dieu a tellement aimé le monde, il nous a tellement aimé, il vous a tellement aimé, qu'il a donné son Fils Jésus pour nous justifier. Jésus, il est venu pour nous pardonner, pour nous donner la vie pour l'éternité. Alors celui ou celle qui accepte Jésus, il va renoncer à lui-même, renoncer à sa propre nature, pour laisser Jésus-Christ régner en lui. Et en fait, il va rechercher à être semblable à Christ. Et à ce moment-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, je dirais de celui ou celle qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Amen. C'est le plan parfait de Dieu qui a déjà été établi d'avance pour nous tous. Dieu nous aime et il nous garde dans son plan. C'est un plan qui est glorieux, c'est un plan qui est déjà fait d'avance, frères et sœurs. Nous passons peut-être par des moments compliqués, difficiles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur savait ce qui allait se passer, admettons aujourd'hui, ce soir. Il connaît toutes choses et il sait ce qui va se passer demain. Et en fait, le Seigneur dirige, il connaît notre vie. Mais est-ce que nous avons confiance en lui? Si je prends ce texte au verset, toujours le verset 28, mais à la version courante, écoutez bien ce qui est écrit. Il est écrit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. Il y a un mot qui m'interpelle, c'est nous savons.
C'est une certitude. Quand l'apôtre Paul il dit nous savons, c'est que c'est une certitude. C'est pas une espérance. Il espère pas que toute chose concourt ou contribue à son bien. Ce qu'il sait, il dit bien, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça voudrait dire que, frères et sœurs, nous devrions avoir confiance en Dieu. Dieu a déjà tout donné pour nous. Il a déjà donné son Fils au travers du sacrifice à la croix. Il a donné Jésus-Christ qui maintenant est vivant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, il nous est bien dit que nous savons, mais que toute chose, quand on parle de toute chose, on parle de quoi? On parle de la santé, on pouvait être en forme, on pouvait être en pleine santé ce soir, mais aussi dans les moments compliqués, dans la maladie. Toute chose, c'est aussi la vie, la naissance, hein, c'est toujours une joie pour nous de voir des naissances, mais c'est aussi la mort. C'est-à-dire que quand il y a un proche, quelqu'un qui décède dans notre vie, nous sommes tristes, malheureux ou malheureuses. Et dans ces moments-là, le Seigneur est toujours présent avec nous. Le Seigneur est avec nous aussi dans la réussite, mais aussi bien dans l'échec. Nous pouvons échouer, mais le Seigneur est toujours là pour nous relever et pour nous emmener à aller plus loin. Il est avec nous aussi dans l'équité, dans l'injustice. Il est là avec nous, que ce soit dans le calme ou dans la tempête. Oui, toute chose. Dans toutes circonstances, d'accord, le Seigneur est avec nous. Et c'est pour cela que toute chose concourt au bien. C'est-à-dire que le Seigneur, son but à lui, c'est de nous emmener, de venir en fait nous faire du bien dans notre cœur, venir nous encourager, nous emmener à grandir, à aller plus loin. Cela n'empêche pas l'épreuve. Romains 8, 18, Paul nous montre bien l'exemple, il est écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et regardez ce que Paul dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ça voudrait dire que Paul, quand il dit j'estime que les souffrances au temps présent, il sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il est passé par des moments compliqués, difficiles, de souffrance. Mais ce qu'il sait, c'est que ses yeux, son regard est tourné, en fait, vers la gloire de Dieu. Son regard est tourné vers le Seigneur. Et il sait que le Seigneur, en fait, va l'emmener à pouvoir entrer dans la victoire. Et que la tempête qui passe, les moments de souffrance, les difficultés par lesquelles peut-être vous passez, c'est un temps qui va être limité parce que le Seigneur va vous emmener justement à guérir. Il va vous emmener à sortir de cette situation où vous allez pouvoir enfin glorifier le nom du Seigneur et témoigner. Mais vous savez une chose, frères et sœurs, il est impossible de travailler l'or si on ne l'éprouve pas. Si l'or n'est pas éprouvé, alors on ne peut pas le travailler. Pourtant, c'est un alliage qui a énormément de valeur. Aussi bien votre vie devant Dieu, votre vie a beaucoup de valeur. Mais pour pouvoir épurer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, alors il faut enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Dieu. La colère, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, etc. Et dans l'épreuve, tout ce qui est mauvais remonte à la surface. Et là où le Seigneur va mettre sa main, il va nous guérir, il va nous délivrer de cela. Regardez dans la nature parle très bien. Vous prenez un arbre, l'arbre va connaître l'hiver, et en hiver, il va perdre ses feuilles, ça va être une souffrance pour lui, parce qu'il y aura le froid, il va perdre ses feuilles, mais ce qui va se passer, que vous connaissez tous, c'est que le printemps va arriver, et à ce moment-là, il va porter du fruit. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous passons par des moments compliqués, difficiles, par l'épreuve, Paul aussi est passé par là, mais ce qu'il sait, c'est que derrière, il y a eu systématiquement une victoire de la part de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Des hommes qui sont passés par des moments compliqués, difficiles. Et nous prenons l'exemple de Job. Job, dans les moments compliqués, il n'a pas dit « Le Seigneur a donné et Satan a repris ». Il a dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris ». En fait, il savait que dans sa situation, même si c'est compliqué, le Seigneur a toujours le contrôle sur toute chose. Vous prenez Daniel, il était dans la cage avec les lions. Daniel avait foi en Dieu.
Le Seigneur a mis sa main. Mais il fallait y être dans la cage des lions. À côté de cela, nous pouvons voir même Paul dans sa souffrance. Il était en prison, etc. Mais il a aussi souffert physiquement. Il était à un moment donné, la parole nous dit, il était dans un état de faiblesse. Et le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Le Seigneur va le sortir de cette situation. Vous prenez Jonas. Jonas, c'est pareil, le Seigneur a mis sa main. C'était compliqué pour lui dans le ventre de ce poisson. C'était noir, c'était ténébreuse. Il pensait peut-être mourir, etc. Mais le Seigneur a mis sa main. Vous prenez Ézéchias, qui était condamné à mourir. Il va prier, il va crier à Jésus-Christ. Il va crier au Seigneur, il va prier. Et c'est là où le Seigneur va mettre sa main. Et sa vie a été prolongée. Mon frère, ma sœur, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible au Seigneur ce soir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul sait que malgré les difficultés ici-bas, il possède une demeure éternelle. Paul sait que même s'il passe par des moments compliqués, c'est que là où le Seigneur a prévu une place pour lui, cette place, elle n'est pas faite de main d'homme, mais ça vient de la main de Dieu. Son avenir est assuré. Votre avenir, mon avenir est assuré. Ce que Paul savait, c'est que quand Jésus paraîtra, alors lui aussi paraîtra avec le Seigneur. Mais nous aussi, nous paraîtrons avec lui. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Alors même si vous passez par des moments compliqués, difficiles, frères et sœurs, attachons-nous aux promesses du Seigneur. La puissance de Dieu nous libère du péché. Amen. La puissance de Dieu nous libère du péché. La puissance de Dieu nous libère de la mort. C'est ce qui s'est passé pour Ézéchias. La puissance de Dieu nous libère de l'épreuve. La puissance de Dieu nous libère de l'injustice, nous libère de la maladie, nous libère des souffrances. Mais croyons-nous ce soir en la puissance de Dieu? Dans le psaume 25 au verset 10, j'ai pris la version Semeur, il nous est écrit « Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Amen. » Sommes-nous fidèles ce soir? Avons-nous toujours foi en Jésus-Christ? Alors, soyez patients. Quand le Seigneur mettra sa main dans votre vie, il va vous relever. Alors la joie va revenir dans votre cœur et vous allez témoigner. Mais donnez confiance au Seigneur. Mettez votre foi entre les mains de Jésus-Christ et persévérez parce que le Seigneur veut se glorifier dans votre vie. Amen. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 27, Deutéronome 33, 27, il est écrit « Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. » C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Amen. Amen. C'est lui qui depuis toujours est ton refuge. Le Seigneur est ton refuge. Le Seigneur depuis toujours a sa puissance qui est grande ici-bas. Est-ce que nous le croyons réellement? Moi, ce que je sais, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur vous protège, il vous garde. Peut-être nous ne voyons pas le lendemain, mais ce que je sais, c'est qu'il va mettre sa main. Amen. Il a un plan établi à cause de son amour pour nous en Jésus-Christ. À cause de son amour, il a un plan qui est déjà établi. Et il vous aime et il m'aime. Et c'est sûr et certain qu'il n'a pas dit son dernier mot dans votre vie. Qui pourra condamner les élus de Dieu, frères et sœurs? Qui les accusera? Verset 31 et 32 qui nous dit... Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Amen. Il l'a livré pour nous tous. Le Seigneur n'a pas donné son fils pour rien. Ce que je sais, c'est qu'il a donné son fils Jésus-Christ pour vous, pour moi. Et ce que je sais, c'est qu'il va mettre sa main parce qu'il nous aime, parce qu'il a déjà prévu tout un plan établi pour notre vie. Alors moi, je veux patienter dans l'épreuve. Je veux rester là dans l'épreuve et dire, Seigneur, je veux m'attacher, m'accrocher à toi. Même si ça chauffe dans l'épreuve, même si c'est compliqué, difficile. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur ne m'éprouve pas au-delà de mes capacités. Amen. Il nous a prédestinés. Vous êtes prédestinés. Je suis prédestiné, frères et sœurs.
Il nous a appelés, si vous entendez la parole de Dieu, c'est que vous êtes appelés de Dieu. Et si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes justifié déjà. Et non seulement cela, vous êtes glorifié. On est glorifié, on est déjà dans la gloire de Dieu. C'est une question de temps. Mais ce que je sais, c'est que par amour pour vous et par amour pour moi, le Seigneur veut se glorifier. Amen. Et c'est pour cela, dans Romains chapitre 8, verset 35, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ? Jésus a donné sa vie par amour pour nous sauver. Et il est vivant ce soir. Il est présent. Et ce que je sais, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Si je reste ferme dans ma foi, et si je m'attache au Seigneur, que j'ai confiance en lui, alors toutes choses vont concourir à mon bien, parce que j'aime le Seigneur. Amen. Et je termine le verset 33 et 34, il nous est dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Puisque Dieu nous aime aussi fort, puisque Dieu nous a donné son Fils unique à la croix, puisqu'il a ressuscité Jésus-Christ qui vit en nous, alors à ce moment-là, je sais que toute chose concourt à mon bien. Je sais que même si je passe par des moments compliqués, difficiles, par des épreuves, aussi bien que Jonas, aussi bien que Paul, aussi bien que Ézéchias, ce que je sais, c'est que le Seigneur mettra sa main. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je veux garder la foi et je veux rester ferme dans ma foi et attaché au Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, versets 37 et 39, il nous est dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, nous dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors que son amour puisse inonder votre cœur. Que ce soit vous puissiez être encouragés. Que ce soit vous puissiez, nous puissions ensemble rester fermes dans notre foi et de dire Seigneur, puisque tu m'aimes, puisque je t'aime mon Dieu, alors ce que je sais, c'est que tu ne m'abandonneras pas. Ce que je sais, c'est que je dois rester ferme dans ma foi parce que toute chose concourt au bien de celui ou celle qui t'aime. Mon dernier verset, c'est Matthieu 28, 20. C'est un verset que vous connaissez tous. Matthieu 28, 20 qui nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est une promesse du Seigneur qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il me demande, il nous demande de vous enseigner cela, de vous rappeler, de rappeler à votre âme qu'il est présent et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est le plan parfait de Dieu pour notre vie. Amen. C'est le plan parfait de Dieu. Alors, vraiment, frères et sœurs, ce que je sais, c'est que le Seigneur a prévu un chemin de paix pour vous. Il a prévu un projet de paix pour vous. Mais pas un projet de malheur, un projet de paix. Et ce que je sais, c'est qu'il veut mettre sa main dans votre vie. Mais avons-nous confiance dans le Seigneur? Avons-nous confiance en son plan glorieux? Moi, j'ai confiance dans le plan parfait de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et que vous puissiez témoigner de sa puissance. Amen. Dieu est puissant. Sa maison pour la
temple devant sa face, toute splendeur, famille des pères, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée. Disons-lui, Seigneur, règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Il est digne de louange, notre Seigneur. Ensemble. La durée des temps.